Vous arrivez au bon moment parce que je viens de laisser tomber l'enseignement pour faire seulement de la recherche. Je ne pouvais plus à la fois m'occuper de mes étudiants et puis m'occuper des projets de recherche de façon à répondre aux attentes des gens avec lesquels je travaille. Alors, c'est le grand chamboulement dans ma vie intellectuelle et pratique. Parce que je suis en train de tout réorganiser de façon à pouvoir remettre en place tous les mécanismes qui permettent d'avoir des fonds, si on peut. De rassembler les gens, surtout. Les fonds, c'est pas un problème. On peut se débrouiller sans argent. On peut pas se débrouiller sans chercheurs, sans collègues. Ça, et les collègues, c'est pas évident. Parce que tout le monde est occupé. Alors, c'est quand même un gros changement. J'ai besoin de refaire toutes les structures de travail, toutes les habitudes de travail. Mais l'idée de pouvoir passer 3 heures, 4 heures, 6 heures de temps sur un manuscrit, ça c'est le paradis pour moi. Et j'ai pas eu cette chance-là depuis une vingtaine d'années. Donc c'est tout de suite là, c'est le grand bonheur. Merci de nous prendre le temps, en tout cas, de nous recevoir. Et puis, on va faire un grand voyage. On va commencer peut-être par les souvenirs d'enfance, les origines familiales, l'école, le collège. Okay. En fait, il faut nous expliquer comment tout ça s'est passé. Voilà, tu es devenue anthropologue. Comment est-ce que je suis devenue anthropologue? D'aussi loin que je puisse m'en souvenir. Ce qui m'intéressait, c'était les autres, mais les autres différents. Les façons de penser, les façons de vivre, les façons de concevoir le monde. Mais ça, c'est parce que je suis née au Maroc, de parents français, qui ont redéménagé en France. Après la guerre, et j'ai été élevée au confluent de toutes sortes de mondes. Le monde nord-africain au départ, que j'ai retrouvé par la suite. Le monde paysan normand. Le monde urbain parisien. Donc, il était évident, même pour une enfant de 4-5 ans, que le monde n'était pas d'un seul morceau. Et puis, à la suite de circonstances familiales et autres, je me suis retrouvée sous la garde de la tante de maman, qui avait toute une collection de magazines. Il y avait Science et Vie, il y avait Le Monde, puis il y avait National Geographic. Et là, j'ai découvert l'Amérique du Sud, l'Afrique, pour une enfant, c'est extraordinaire. Alors, j'ai emmené mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs, dans des randonnées complètement imaginaires, dans des pays presque imaginaires. Et puis, je savais qu'il y avait quelque part une façon de vivre, une façon de travailler qui consistait à aller visiter les gens d'ailleurs. À 11 ans, je savais déjà ce que je voulais faire.
Mais je savais pas, je connaissais pas l'anthropologie, je savais pas que ça existait. Et puis, j'avais 12 ans, 11 ans et demi, quand on nous a retirés de l'école. Il n'y avait plus d'essence pour payer les voyages à l'école, mais il y avait aussi mon père qui était reparti en Afrique du Nord et on allait le suivre. Et puis l'école, c'était pas un succès sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, pas trop de problèmes, sauf que j'avais appris à ne pas faire trop confiance aux déclarations faites par les adultes. Les adultes, c'était un autre monde. Et puis, une fois arrivé en Afrique du Nord, ça, le monde s'est ouvert complètement. Il est passé, comme je te le disais tout à l'heure, du noir et blanc au technicolor, avec tout ce qu'il fallait pour vivre, quoi. Puis la grande liberté de ne pas avoir à aller à l'école, d'être inscrite comme toi tu l'étais au Centre national d'enseignement par correspondance. Et c'était un excellent enseignement comparé avec une école ordinaire. D'abord parce que tu travailles à ton rythme et puis ensuite parce que tu peux fouiller les choses qui t'intéressent, puis tu apprends à lire. Je veux dire, à la sortie du système, sur le plan littéraire, j'ai fait un premier bac en sciences expérimentales, par correspondance, faut le faire. Et puis j'ai fait par la suite, j'ai fait un CELG en littéraire. J'avais philosophie, géographie, parce que j'avais toujours pas trouvé d'anthropologie. Alors, philosophie, anthropologie, non, philosophie, géographie et littérature. Et puis, là, on est parti pour le Canada. Ah ben, c'est-à-dire que le CELG, on l'a fait en France, encore par correspondance. On vivait dans les Alpes, on a vécu là pendant 2 ans, dans un petit village loin de tout qui s'appelait Villa Rocula, coupé de tout par les avalanches l'hiver. Là, tu apprends à faire du ski, tu fais tout en ski. Et puis, moi, je faisais des sculptures en neige représentant des chiens, le traîneau, et le traîneau, et Paul-Émile Victor. Donc, j'étais déjà là-dedans. Donc, pendant qu'on était en Algérie, on est parti, j'avais 18 ans, 17 ans. J'avais fait un premier terrain, tout ce qu'il y a de plus rigoureux, mais dirigé par maman et mon père aussi. Et on était allé dans le nord du Sahara, à Gardaïa. C'est une pentapole occupée par des gens qu'on appelle les Mzabites, et la région s'appelle le Mzab. Et c'est une secte différente des sectes musulmanes, des groupes musulmans qui sont présentement en Algérie, en Tunisie, etc. Donc on était au contact des Kabyles et on était au contact du Mzab. J'avais fait un premier rapport sur la vie dans le Mzab et maman avait fait des aquarelles pour illustrer la chose. On avait envoyé ça à une station de radio-télévision française, qui ont toujours le manuscrit, je suppose, mais pour parler des femmes, pour parler des hommes, c'était éblouissant comme travail. Et puis on a vécu à Tébessa, sur la frontière tunisienne, pendant plusieurs années. Après ça, on est arrivé sur la frontière marocaine. Mais dans les deux cas, j'avais accès à des gens érudits, pas seulement instruits, et des archéologues. Donc, quand on est rentré en France, je pouvais faire la distinction entre un outil moustérien et un outil acheulien. Je pouvais te dérouler les séquences d'habitat dans les sites archéologiques. Je pouvais. C'est pas des. À l'école, tu n'apprends pas ça. Et puis, on est retourné en France au moment de la grande débâcle.
Et puis on a habité dans des, comme je dis, à Villa Recula. Maman faisait l'école à 7 enfants dans 7 niveaux différents. Et puis le poêle était en bas dans la salle de classe. En haut, nous, on étudiait par correspondance encore. Et puis dès qu'on pouvait, on partait dans la montagne. L'hiver, c'était à ski. L'été, c'était pour aller chercher des framboises, des champignons, des escargots, tout ce qu'il fallait pour moi. On n'avait pas un sou. Mais c'était la belle vie. Et c'est resté la belle vie toute ma vie. Et je suis arrivée à l'Université de Montréal, comme je te disais tout à l'heure, sans avoir mis les pieds à l'école depuis l'âge de 12 ans. Pourquoi Pourquoi le départ? pourquoi le On n'avait pas départ? un sou. Il fallait pouvoir vivre, il fallait pouvoir. Et puis bon, mes parents ont une histoire compliquée qui est passée par la résistance en France, des débats avec De Gaulle avec Charles De Gaulle qui n'était pas confortable. Et donc il n'y avait pas d'espoir pour que soit mon père, soit ma mère aient accès à un emploi quelconque. Mais quand on est arrivé au Canada, c'était là aussi c'était une époque bénie. Parce que je me souviens encore dans le journal, tu avais les offres d'emploi. Okay? En ce temps-là, c'était tel et tel diplôme comme prérequis, ou tant d'années d'expérience, ou volonté d'apprendre. Hein? On avait exploré, attends, on avait regardé plusieurs destinations, Ouagadougou, Constantinople, Istanbul, l'Australie, puis le Canada. Puis le Canada a répondu en premier. Alors on est arrivé gentiment en 61. Au début de la Révolution tranquille. Ben ça n'était pas encore enclenché, ça s'est enclenché. Et puis je me suis retrouvée à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Montréal, avec donc mon CELG. Je suis rentrée en philosophie. J'ai fini ma philo, mon bac en philo. Donc ça fait un drôle de parcours. J'ai 3 bacs, en fait. Et puis, je suis passée, après avoir fini ma philosophie, avec option philosophie des sciences. Mais on apprenait encore Saint-Thomas, on apprenait encore Saint-Anselme et tout le monde. Et puis, il a fallu que je peaufine mon latin pour passer mon examen. Parce que tu avais un diplôme au nom du pape, hein, en ce temps-là. Et puis dès que j'ai pu, ben l'année d'après, je suis arrivée en anthropologie. Je suis rentrée en 3e année. Ouais. T'as quel souvenir de cette période au À département, l'université? ouais. Au département d'anthropologie? Ben j'étais encore en train de m'ajuster au système universitaire. Mais c'était plus facile que mon frère et ma plus jeune sœur, parce que eux sont rentrés dans le système pré-universitaire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile quand tu arrives de. Bien qu'ils soient de niveau sur le plan scolaire, ils étaient en avance. Les enfants qui étudient par correspondance sont toujours en avance. J'ai découvert ça plus tard. Et puis. Quel souvenir j'en ai? Un étonnement sans borne. D'abord, il y avait le Québec, complètement étrange. Il y avait le Canada. J'entends par là le système non urbanisé, l'espace, la forêt, tu sais, tout. Et puis après ça, la société, dont je ne comprenais pas du tout les mœurs. Moi, j'arrivais d'une
d'un gros mélange sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan géographique. Et tu tombes dans le Québec. Et puis, on était encore dans les Sœurs à Cornette, tu sais, on était encore dans le département de philosophie, c'était des prêtres. Et sur le plan social, moi, j'en étais restée à l'Algérie, parce que dans les Alpes, c'est toi et la montagne, mais en Algérie, c'était le samedi soir, les garçons qui déambulent d'un côté de l'avenue, puis les filles qui déambulent de l'autre côté. N'avait pas de contact entre les garçons et les filles. Le système musulman était bien en place, mais ça affectait aussi bien les minorités juives que les minorités chrétiennes. Tout le monde suivait le même. Et j'arrive au Québec et je ne comprenais absolument pas les codes sociaux en place. Intéressant. mais c'était pas évident. Alors, ça faisait une chose de plus à regarder. Et puis, sur le plan religieux, quand on était en Algérie de 12 à 18 ans, là, mes parents nous ont envoyés à l'église catholique, hein, à la synagogue. Alors, l'islam dit en sentence. Et puis, à la mosquée, sauf que les femmes, on n'était pas à la mosquée, mais mon père avait essayé de développer, parce qu'il était à la fois militaire et civil, il était plutôt employé comme administrateur par l'armée. Donc il s'est retrouvé en charge de toute une ville, et il avait décidé que les filles devaient quand même être éduquées. Il avait poussé la communauté musulmane a instauré des écoles où les filles pouvaient être admises. Et pour pousser la chose, ben, ils nous ont inscrits, nous. On est allés à l'école coranique, j'ai appris le Coran par cœur, avec le bâton sur le tableau, et assis par terre. Mm-hmm. Alors ça te donne une idée différente de ce qu'est la religion, ça te donne une... Oui. Et puis mes parents avaient de la religion, des idées... libéré, disons. Donc pour moi, ce qu'on nous enseignait à l'université, c'était des façons de voir. C'était pas tellement... Le contenu, j'ai jamais fait confiance au contenu, mais j'ai toujours été consciente de la forme. Quand il s'est agi de passer à l'anthropologie. Et puis, alors là, finalement, j'étais arrivée. En anthropologie, je n'avais aucun problème à concevoir le culturel, parce que j'avais été confrontée à la culture. Pour les gens qui font partie d'une culture, pour les gens qui font partie d'une société, tu peux regarder ça avec une certaine envie, mais ils sont dedans. Et tout est absolu. Toi, tu le sais quand tu arrives, parce que à cause de ton histoire, c'est pas du tout évident, l'absolu. Surtout dans les connaissances. Ça fait que chaque fois que quelqu'un arrive avec des universaux, oui, mais je me souviens d'un cours de sociologie, mon premier cours de sociologie. Le premier examen, c'était un examen à choix multiples. Il y avait 50 ou 100 questions, non, propositions. Il fallait répondre vrai, faux, partiellement vrai, partiellement faux. J'ai coulé l'examen de façon spectaculaire. Je suis allée voir le professeur, c'était quoi, Roger ? Je me souviens plus de son nom, mais il est devenu célèbre par la suite. Et je lui ai dit, chacune de ces propositions est partiellement vraie, partiellement fausse. Rien de ce qui est ici n'est absolu. Il m'a dit, oui, mais il fallait considérer si c'était absolu pour l'auteur. Ah ben j'ai dit, c'est pas ça que vous avez dit. Il m'a dit, ben, et puis il m'a écouté, j'ai passé question après question. Il m'a dit, oui, vous avez raison, mais vous allez quand même
couler votre examen parce que il faut que vous appreniez à penser comme tout le monde. Ah ben non. Là, pour moi, c'est la grosse différence entre la sociologie et l'anthropologie. L'anthropologie, tu vas chercher le point de vue de l'autre. Et puis en socio, tu prends ton point de vue puis tu l'appliques. C'est tout simple. Puis toutes les sciences humaines qu'on a tout de suite, ben c'est relatif. Mais ça, le sait pas. Tu vois, tu regardes la psychologie, l'histoire, tout ça, ça part. Va voir l'histoire du point de vue chinois, c'est différent. En Chine, dans l'histoire classique, tu repars à zéro à chaque dynastie. Okay? Donc, faut que tu comptes première dynastie. L'an tel de telle dynastie, l'an 500 de telle dynastie, l'an 321 de telle dynastie, tu repars toujours à zéro. Okay? Et chaque fois que tu reviens, ça s'est dégradé un petit peu. Mais le point d'origine, c'est la première dynastie, le premier empire, le premier empereur que la Chine actuelle a remis en place comme point de référence. Et tu as une histoire qui... Ben c'est cyclique, mais en même temps, c'est rétrograde, tu vois. Alors, oui, mais si tu vois l'histoire chinoise du point de vue des Chinois, tu ne peux pas faire ça du point de vue européen. Donc, il y a... Tu vois. Mais ça, je le savais. Mais j'avais du plaisir aussi à l'université parce que... surtout en philo. En anthropologie, ça prenait moins. Mais de me promener dans les couloirs de philosophie avec des livres de physique nucléaire. Là, c'était le fun de voir les réactions des gens. Mais mon père m'avait fait lire Poincaré, j'avais 12 ans. Einstein, je comprenais. Je n'avais pas de problème avec ça. Mais c'est ça. Et pour moi, c'est des points de vue. Les religions, ce sont des points de vue. C'est pas la même chose que d'avoir des... Quelquefois, je me demande comment on peut se sentir quand on est dans un système, qu'on en fait partie, qu'on est bien assis. Plus tard, quand j'ai enseigné l'anthropologie, en essayant de transmettre, pas pour tous les étudiants, mais pour ceux qui veulent plus tard se diriger vers l'anthropologie, d'entrer dans la relativité. Des propositions. Et je me souviens d'étudiants qui tombaient malades. Tu prends un bon étudiant qui vient de Chicoutimi ou qui vient de Trois-Rivières, et puis tu l'installes devant pas tout un monde, mais juste des fragments de l'univers Navajo ou Touareg ou Algonquin, puis il se défend devant toi littéralement. J'ai fini par faire très attention après 3 ou 4 incidents intellectuels de gens qui se défendent là. C'est pas évident l'anthropologie, ça. Fais attention. Aujourd'hui, ça, on dirait que le monde est beaucoup plus ouvert, qu'on a une idée beaucoup plus flexible de ce qu'est la réalité, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors, j'ai toujours deux versions de mes cours. Une version pour les attentifs, pour les engagés, puis une version pour ceux qui veulent avoir ce que l'anthropologie nous apprend, mais pas comment... Elle se développe en tant que mode de vie ou mode de pensée. Je suis pas sûre qu'on soit fait pour une vision relativiste du monde, mais moi c'était mon grand bonheur et c'est encore mon grand bonheur d'arriver quelque part et puis de découvrir des gens qui pensent de façon différente. Et le miracle, c'est qu'on peut rentrer dans ces systèmes-là. Remarque, quelquefois, ça prend 20 ans. Mais tu peux avoir... Tu, tu,
peux rentrer dans un mental différent. Alors, de temps en temps, on se sent un peu fou, mais ouais. Je suis pas sûre. Ah, l'anthropologie auquel j'avais été invitée, c'était une anthropologie elle-même, comment dire, en mosaïque, parce qu'à ce temps-là, à l'université de Montréal, on avait accès au début de l'anthropologie québécoise ou canadienne. On avait des Français, okay, anthropologie européenne, ethnologie, etc. On avait accès à l'anthropologie américaine, complètement différente. On ne nous apprenait pas à distinguer les trois ou les quatre. Et puis l'anthropologie botanique, parce qu'on avait ça aussi. On ne nous apprenait pas à les distinguer, mais on était plongé dans cette espèce de soupe, c'est intellectuel. Et je pense que ça a été une des grandes forces, et c'est encore une des grandes forces de l'anthropologie à Laval, à Montréal, et puis dans les universités québécoises. On a hérité de cette anthropologie-là qui n'est pas dogmatique. Quand je me retrouve en France, c'est pas évident. Aux États-Unis, tu as moins conscience de l'anthropologie européenne, donc tu as moins conscience du décalage.